ici, puis avance sur une paix. Avance, puis arrière sur une paix. Et mets les deux talons sur le pied. Voilà. Bien, Jean. Tu vas te mettre là. Les deux talons doivent être sur ce pied-là. Voilà. Et les pieds doivent être écartés, ça peut créer une tension. Tu dois avoir la peine de mettre une tension. Voilà. Maintenant, je fais les genoux, comme ça. Le genou qui est devant, au-dessus du pied. Puis, il ne faut pas que ton genou soit pas de sa tête. Le genou devant, au-dessus du pied. Le bras plié et tout ça. Tout à l'heure, tout à l'heure. Voilà, comme si tu portais un capot. Hamza, tu viens de mettre en garde là. Hein? Juste sur le droit. D'accord? En garde. On ne se balance pas. On est immobile quand on est en garde. Voilà. Et bien ton bras là, comme ça derrière. Et non, le bras il est plié devant. Ouvre la main. Voilà. Et tu peux bien te jouer. Le genou. Et le genou au-dessus du pied. Le pied, il est complètement par terre. Ok? Ça, c'est un garde. D'accord? Alors, voilà l'exercice que vous allez faire. Vous allez sauter sur place. Et quand je tape dans les mains, vous arrêtez de sauter. Hop! Et vous essayez de vous mettre en garde du premier coup. Une fois que vous pensez à être bien en garde, vous regardez, est-ce que les talons sont sur la ligne? Est-ce que mes pieds sont bien écartés? Est-ce que les genoux sont pliés? Est-ce que je suis bien droit? Est-ce que mon bras devant est plié comme ouvert? Est-ce que mon bras est derrière? D'accord? Vous ne bougez plus. Ok? Vous êtes prêts? Allez, pieds joints. Et on se plie sur place. Voilà. En garde. Et on ne bouge plus. Pas mal. Allez, on se remet les joints et on recommence. On se dit. Encore une fois, le fait, et moins. Allez, on se plie. En garde. Le chi, ah, pas mal. Quand on est en position de garde, il y a un pied qui est devant et un pied qui est derrière. Le pied qui est devant, on va l'appeler 1. Le pied qui est derrière, on va l'appeler 2. Et bien, pour avancer, on va compter dans sa tête. 1. Je suis en garde. J'avance d'abord le pied du pied. Et en gardant toujours le pied devant, bien droit vers l'adversaire. 1, 2, 3.
et on ne cherche pas à faire des grands pas. Non, là tu as compté 2, 1. Ah oui, il faudra apprendre à compter. Allez, on regarde. Quand on avance, ça s'appelle la marche. D'accord ? À chaque fois que je vais vous dire marcher, vous faites une marche et on s'arrête. Ok ? Vous êtes prêts ? Marcher. Vous le faites bien droit devant. Ouais. Marcher. Alors, il ne faut pas traîner les pieds. Hein. Il faut les soulever, les deux. D'accord ? Là, tu as traîné le pied numéro 2 toi. Il ne faut pas. Remets ton pied devant bien droit. Regarde, à chaque fois que tu mets un peu de travers, plie tes genoux. Marcher. 1, 2, pas 2, 1. Marcher. Regarde ton pied. Voilà. Et oui. Il faut que tu arrives à le déplacer, on peut descendre bien droit. On plie les jambes. Les jambes. Ah oui, t'en as deux. Marcher. Ah, c'est mieux. Marcher. 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 S'entraîner. Déplace-toi. Les genoux. Marcher.